8h du matin, puis il est en train de se passer la plus belle affaire, ce dont j'avais le plus besoin. Casey a recommencé à vlogger, il revient au Daily Vlog. Ça fait 2-3 jours qu'il publie une vidéo à tous les matins. Puis moi, Casey Neistat, c'est une source incroyable d'inspiration. C'est devenu mon idole, c'est le gars le plus inspirant qu'il n'y a pas. Ça me donne le goût de vlogger. À 8h du matin. J'ai rien à vlogger, mais vu que Casey il vlog lui, ben moi je vlog aussi. Casey fucking Neistat. Nobody gives a shit about your stupid time lapse. C'est Casey Neistat qui m'a donné le goût de vlogger. En fait, c'est mon chum Sylvain Sly qui me disait « Yann, va voir ce que Casey Neistat il fait. Tu vas triper, tu vas triper. » J'avais regardé une vidéo puis je trouvais ça un petit peu élitiste. C'était lui qui prenait des avions de luxe puis qui allait rejoindre sa blonde. Puis je trouvais pas ça inspirant. Puis il me disait « Non, 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 c'est pas ça Casey Neistat. Va voir. » Il a commencé à vlogger à tous les jours. Fait que j'ai décidé de réessayer. J'étais allé voir son channel. J'ai écouté la première vidéo de sa série où est-ce qu'il dit qu'il va vlogger à tous les jours. Et là, ça a pris même pas 2 épisodes. Je suis tombé en amour. J'ai compris c'est qui Casey Neistat. J'ai compris comment ce gars-là est inspirant. Il a une belle énergie. Il a des belles valeurs. C'est vraiment un des meilleurs YouTubers que tu peux pas trouver sur la plateforme. Casey, il a un style complètement différent. Il emprunte un style aux téléréalités, aux vidéos d'art et beaucoup aux documentaires. C'est littéralement Casey Neistat qui m'a inspiré, qui m'a fait me botter le cul à commencer à alimenter ma chaîne YouTube et à partir un vlog. Puis c'est grâce à lui si je le fais encore aujourd'hui. Genre, je repense tout le temps à Casey Neistat quand j'ai le goût de m'inspirer. Je m'en vais voir ce que Casey Neistat fait. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est aller regarder ses vidéos puis m'inspirer, aller chercher des trucs. J'essaye de reproduire des trucs, des styles de transition, des façons de s'adresser à la caméra. Évidemment, j'aurai jamais les mêmes histoires que Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un gars qui vit aux États-Unis, un petit peu jet set, très dans le beat, avec les vedettes, avec le gros gratin. Sauf que dans son style, dans sa façon de filmer, il y a plein de trucs que tu peux aller chercher. Si tu veux commencer à vlogger aujourd'hui, va regarder les vieux vidéos de Casey Neistat. Tape-toi sa série. Il y a au-dessus de 1000 épisodes de vlog. C'est complètement malade. Tu vois toute sa progression. Tu vois comment son vlog a évolué, comment sa façon de communiquer a évolué. Tu vois des trucs qu'il fait. C'est vraiment un bon starting point pour t'inspirer puis te botter le cul à commencer à vlogger. Que j'ai inventé un micro. Oh my god! Il me semble qu'il manquait un background. Oh,
faire qui est super important, c'est le son. Si t'as pas du bon son, oublie ça, les gens vont décrocher. C'est même plus important que l'image. Mais un des problèmes pour les vlogueurs, c'est que les micros jusqu'ici étaient pas idéals. Parce que quand tu vlogues, quand tu fais du vlog, comme moi, parfois t'es devant la caméra, mais parfois t'es derrière. Puis j'ai tout le temps eu un problème à chaque fois que je filmais quelqu'un, que je parlais derrière la caméra. Son son était bon, mais mon son était mauvais. Regardez bien, je vais vous montrer un exemple. Là, on entend ma voix. Elle affecte à peu près toutes les fréquences qu'une voix doit affecter. Regardez bien, quand je me mets derrière, test 1, 2, testing 1, 2, hein? C'est plus le même son, là, hein? Je prends des fréquences, mon son est comme tout mou. C'est pas l'idéal, surtout pour quelqu'un comme moi qui fait du documentaire, parce que oui, souvent, c'est la personne devant la caméra qui va parler, mais si je pose une question derrière la caméra, on l'entend mal. T'sais. Puis il y a 2 ans, j'ai challengé des compagnies d'audio sur Twitter de faire un microphone qui aurait une capsule autant en avant qu'en arrière. Ça, c'était en 2018. Puis je pense qu'il y a une compagnie, sérieusement, je pense que c'est à cause de moi. Je pense que j'ai inventé un micro. 2 ans plus tard, en 2020, il y a une compagnie, la compagnie qui fait compétition à Rode, qui fait des micros un peu dans le genre de Rode, mais qui les vend moins cher. C'est une compagnie qui s'appelle Daity. C'est une compagnie qui m'ont déjà commandité. J'ai un micro d'eux autres. Ben là, ils ont décidé de faire le micro idéal pour les vlogueurs. Le Daity V-Mic D4 Duo. C'est un microphone avec 2 capsules. On va tout de suite le déballer. Je suis certain que c'est à cause de moi. Je suis certain que cette compagnie-là espionne toutes les conversations que Rode, Zoom et les autres compagnies de microphones ont sur Twitter. Puis ils se sont dit, ça, c'est une maudite bonne idée. Oh, nice! Oh, wow! Oh, wow! Bon, je viens de brancher le microphone. Le Daity V-Mic D4 Duo. On m'entend en avant. Puis là, juste pour le fun, on va faire le test vite fait. On va tourner de bord comme ça. Puis là, logiquement, on devrait mieux m'entendre. On devrait mieux m'entendre. Test 1, 2. Testing 1, 2. Ce qui est le fun avec ce microphone-là, c'est que tu peux choisir d'enregistrer juste la capsule d'en avant. Et puis avec un petit bouton qui est sur le dessus, ben tu peux choisir d'avoir les 2 capsules. Puis les 2 capsules vont enregistrer chacun sur une piste séparée. C'est-à-dire que la capsule d'en avant va enregistrer sur la piste de droite, puis la capsule d'en arrière va enregistrer sur la piste de gauche. Fait que comme ça, tu peux après travailler en post-production, tu peux choisir lequel te donne un meilleur son, tu peux jumeler les 2 si tu veux. C'est idéal comme micro. Puis c'est moi qui ai inventé ça, je suis certain que c'est à cause de moi. J'ai inventé un micro. C'était mon idée.